toi pour faire. Et alors pour un panier, tu en récoltes combien? Une quinzaine, une vingtaine de brins? C'est pas terrible. Ouais, t'as jamais regardé quoi. Ça c'est trop gros, hein. Oui, oui, oui. Et en plus, elles prennent des couleurs qui sont pas très sympathiques. C'est des superbes, quoi, vraiment. Après, parce que moi, bon, je m'en demande pas non plus, mais... Ouais. C'est ouais, pas... C'est sûr que ça... Les gens ils m'ont jamais demandé ce que je faisais dans leur bois. C'est un peu... Bon, j'aime bien quand même, c'est pas un bon moment. Ouais. Moi, mon père et ma mère, là... Je me désole d'avoir du mal à y aller maintenant parce qu'elle marche très mal. Je commence par le gros bout normalement. Celle-là, elle est tellement régulière qu'on ne voit même pas quel est le gros bout, quel est le petit. Là, j'ai toujours quand même un petit problème de départ. C'est pas quelque chose de compliqué à faire. C'est joli quand c'est fait. Ouais, c'est pas quelque chose de compliqué à faire. Je me dis que dans certaines méthodes, tu l'as déjà utilisé. Oui, tout à fait. Les papys, ils appellent ça l'œil du maître. Parce que selon justement la finesse, c'est là où tu vois l'adresse de l'artisan. Tu vois, contournez un, vous en enjambez deux. Contournez un, vous en enjambez deux. D'accord. C'est... Bon, puis le départ, à la limite, ça n'a pas très tellement d'importance. Je vois les gens qui avaient déjà pratiqué, je leur disais, essayez, vous essayez plusieurs façons, vous allez trouver. Et ça, il n'y a pas de problème. Les femmes le retrouvaient très facilement. Ça, c'est du prunier, ça, c'est du châtaignier. D'accord, du prunier, c'est original. Ouais, le rejet de prunier dans les vergers intensifs. Avec une dose d'engrais, c'est pas le rejet de prunier greffé, mais le rejet franc. Le franc, le sauvage. Par la tête, on coupe en biseau, puis enlever le cœur. En commençant par le pied. Voilà. Et là, en commençant par le pied. Moi, je démarre toujours par 6. Toi, par paire. 6 dès le départ? Ouais. Oh là là. Avec la viande, impossible. Enfin, ah oui, d'accord. Parce que ça a tendance déjà à sauter de partout. Justement, je le faisais avec 3 et je peinais toujours. Et puis mon père, non, moi, je commence toujours par 2 seulement. Hein. Alors là, je suis... Ah oui. Bon... Oh. Que j'arrive d'ici. Donc, j'ai celle-ci. Je vais prendre comme ça au départ. C'est nettement plus facile que si je tresse D'accord, tu les maintiens, d'accord. Ouais, je fais que les fixer. Mais avec 6, je ne vois pas trop comment je ferais. C'est sûr, le premier tour à 6, il est un peu... Ah oui, tu dois pas avoir facile. Père, il faisait ça à quelle saison? La saison quand ils étaient en activité d'hiver, voilà. Oui, bien sûr. Bon, déjà, en été, ça se travaille pas de la même façon, puisqu'il faudrait le faire blanc systématiquement. Traditionnellement, eux, l'été, ils n'ont pas le temps. Et après, bon, en étant en retraite, bah, finalement, c'est un peu pareil, parce que c'est des gens quand même d'extérieur. Donc l'hiver, c'est pas bon dehors, mais il faut trouver des activités à l'intérieur. Quoi. T'as une astuce pour fendre en 3? Tu fais une fente en 2 dans le tiers et après en 2? Non. Oh non, je fais... En général, je fais comme ça.
Oui, c'est ça, une moitié plus étroite, quoi, et puis après l'autre en deux. Un peu comme ça. Comme ça. D'accord. Tu as un local, sinon, quand tu faisais tes stages pour des, eh ben non, avec des gens. Non, enfin, les dernières fois, oui, parce qu'on avait monté pour le local d'accueil du jardin. La maison des arts ruraux, là j'en avais un, mais avant pas. Et puis là maintenant, je sais pas quand je le finirai, mais je suis en train de construire un bâtiment qui était au début prévu pour la ferme, mais comme c'est Denis, notre fils, qui reprend la ferme, le bâtiment, je vais le récupérer et je vais faire conjointement avec le jardin botanique et puis le jardin du vannier que j'ai mis en place, je vais installer ma collection de vanneries et là j'en ferai peut-être un atelier de vannerie où je pourrais faire des cours. Ce que j'aimerais bien, c'est faire chaque année, mais sur une période un peu longue, minimum une semaine ou comme ça, tu vois, des stages où vraiment les gens puissent aller au-delà de la simple initiation. Au niveau du raccord, je ne suis pas trop perfectionniste non plus. Genre mon père, il les passe toujours deux, trois fois ensemble l'un sur l'autre. Moi, je fais un peu n'importe comment et puis après, je coupe ce qui dépasse, ce qui me gêne avec la petite pince. Là, puis c'est bon. Celui, il les fait croiser deux, trois fois l'une sur l'autre, bon, au départ, comme ça en plus. Ça, je le mets toujours quand même assez haut. Bon, peut-être là, il est quand même un peu loin, mais si j'avais celui qui dépasse, ça te fait un panier bascule, c'est pas génial. Ouais. Alors que là, quand même, on les serre en tous pour finir à la fin, souvent. Peut-être quand même un peu exagéré quand même. Alors mon père, il n'a pas de problème pour écouler sa marchandise, ce qui donne presque tout. Ah oui. Alors les gens, il y en a qui doivent lui donner des bricoles en échange. Enfin, ouais. Ça ne leur coûte pas cher. Hein. Ouais. Puis bon, c'est des gens qui n'ont pas été habitués à faire ça pour gagner sa croûte. Le châtaignier, tu es obligé de travailler avec... À chaud. À chaud. Ouais, enfin, on peut le faire à froid aussi. Hein. Donc là, je t'ai ramené deux petits paniers. Ça, c'est de la clématite. Ouais. C'est un peu grossier. Hein. Et tu l'as ébouillanté là ? Ça, c'est ébouillanté. Voilà, ouais. Et raclé après pour... Non, après ça se décolle tout seul. Une fois que c'est ébouillanté, ça s'arrache tout seul. Si tu la chauffes pas comme ça, là tu racles, ouais. Ça fait moins fin. Mmh. Et ça, justement, c'est de la bordelle. Ah ouais, donc ça s'appelle ça le. Pareil, ouais. Enfin, là, hein, donc ça, c'est vraiment travail, comme je te disais, Limousin, Charente-Limousine, mais en Brière. Où ils travaillent, ils remplacent l'osier par la bourdaine et ils font des. C'est exactement la même préparation que toi la viande, sauf que le montage, au lieu que ce soit des arceaux, c'est des grosses lattes. Mmh. Tu vois. Puis ça, c'est le pâté pour ce midi. C'est pas de la vanille. C'est le pâté de porc gascon quand même. Hein. Ah, quand même. Et voilà, pour ta collection. Ah, c'est pour moi ? Ah, ouais. Ah, merci. C'est un plaisir. Hein. Ouais. C'est typique. Et tu te souviens quand tu m'as écrit la première fois c'est parce que j'avais fait l'article sur les 4 saisons du jardinage. Mm-hmm. Et je disais que dans certaines régions, la clématite, ils l'appelaient la viorne. Et donc, je posais la question, savoir si la viorne était vraiment utilisée ou pas. Et c'est là que tu m'avais répondu, si c'est utilisé chez moi. On le fait traditionnellement. La taille idéale pour un panier comme ça, c'est plus petit que ce qu'on a ramassé. Tout à fait. Là, je comprends pourquoi maintenant tu ne veux pas ramasser de gros. Ouais. Tu vois, c'est pour faire revivre la tradition familiale, des choses qu'on a vu faire par des gens qu'on aime. Quoi. Ouais. Ce que j'ai vu que mon père faisait ou mon grand-père, c'est des gens qui comptent beaucoup pour moi. Oui, on perpétue un geste, un souvenir, une mémoire. Voilà la position que j'aime. J'aime avoir la main comme ça. C'est pourquoi, j'en sais rien. C'est le contact avec le bois, c'est. La maîtrise et la possession. Peut-être. C'est pas le bois qui doit commander. C'est pas le. C'est la main du vannier qui commande l'ouvrage et c'est pas le contraire. Et, la différence avec un débutant, c'est qu'effectivement, tu sens très bien que c'est le. C'est le panier, c'est le bois qui commande et le débutant, il patauge, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut avec son bout de bois, alors qu'effectivement, un vannier qui a déjà un peu de métier, c'est lui qui dirige les opérations. Est-ce que quel est le...
souci. Disons que à une, ça tombe juste. Ah oui, là. Oui, tout à fait. Oui, bah, tombe une et puis j'en mettrai une. Mais celle-là est fine, donc. Oui, tu la démarres, oui. Je commence avec une. Mais bon, après, bon, c'est vrai que. Parce que sinon, c'est trois qu'il faut mettre crochet. Oui, oui, oui. Et celle-là, elle est quand même mince. Alors qu'on peut avoir autre chose, honnêtement. Qui est.